Et donc bonjour YouTube, on se retrouve ici pour ce Undertale, l'outre-monde, comme diraient les Français, la France française. Nous allons donc continuer ce petit jeu indé, pas très connu du grand public, hein, je dois l'avouer. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Cette branche semble épaisse, elle est bien trop pour être soulevée. D'accord. Ah! Ah! C'est pas flippant, hein. Et j'ai vu quelque chose derrière. Bonsoir. Cassos, casse-toi, bordel. Humain. Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami? Tourne-toi et serre-moi la main. Il a pété. Et le coup de quoi ça pète un cachet de la main? C'est toujours marrant. Bref, tu as l'humain, non? C'est tordant. Moi c'est sans. Sans le squelette, je suis supposé être aux aguets au cas où elle passerait par ici. Mais, tu sais, je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère, Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Hey, d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai eu l'idée, franchis cette espèce de portail. Ouais, passe en travers, les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Vite, quelque chose derrière cette lampe, juste à la forme qu'il te faut. Y'a quoi de neuf, frérot? Putain, comment... je sais pas quoi faire... Je sais pas comment faire de voix, moi. Tu sais qu'il y a de neuf, frère. Ça fait 9 jours que tu n'as pas réglé tes casse-crânes. Tu ne fais que balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais? Je vois cette lampe, elle est vachement cool. Tu veux essayer? Non, j'ai pas le temps pour ça. Essaye de passer par ici. Je vais être prêt. Ce sera moi. Il faut que ce soit moi. Je capturerai un humain. Ainsi, moi, le grand Papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance. Je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Je plongerai dans un bain de baisers chaque matin. Hein? Peut-être que la lampe pourrait t'aider? Sans, tu t'aides pas! Pauvre mou de la rotule! Tu restes juste là, paillot corneille! Tu viens un peu plus paresseux chaque jour! Détends-toi! Je dois te une éthique de travail plus efficace! Un squelettique! Pardon! C'est réussite nulle, mais ça me fait marrer! Eh, sans! Allez, souris! Oui, et je déteste ça. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance? Bon, on dirait vraiment que tu t'es chié de la tâche. Ah, je vais m'occuper de ces casse-crânes. Quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus coxitant dans les efforts. Ok. Ok, tu peux sortir maintenant. Asse tout. Ah putain. Ok. Ok. Ah. Ok, c'est marrant. Ok. Oui, c'est sens, mais. Sense? Sens? Oh, c'est pas, on s'en fout. Mais tu devrais y aller. Il pourrait revenir. Et si c'est le cas, tu devrais écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Ok, je reviens à te voir, promis. C'est une lampe, juste la forme qu'il faut. Lol. En fait, hey, je veux pas te déranger, mais tu pourrais m'aider? Je me disais, mon frère a pas trop le moral en ce moment. Il a jamais vu d'humain. Et ta personne devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas, il est pas dangereux. Mais s'il essaye de l'être, merci infiniment, je serai devant.
pas dans le mauvais sens. Ah, trop tard. Trop tard, je peux partir dans le mauvais sens. Ah, dommage. Cette lampe a la forme juste qu'il faut et en plus, il faut toujours détermination. Oui, d'accord. Alors, les... les points de sauvegarde, c'est pas clair, hein. C'est vraiment des histoires de dire de mettre un point de sauvegarde, hein. Utilisez la boîte. Utilisez la boîte. Ah. Colliver, volez vers vous. Colliver, attaque 12, ce jeu de comédien se bat pour garder son audience captivée. Et salut, glaçon humain. Ah, c'est pas trop compliqué, ça va. Colliver, Blaqué. Vous faites un mauvais jeu de mots sous la neige. J'ai entendu celui-là. Ah quoi? Il rit de ses propres quoi? Il rit de ses propres mauvaises blagues. Ah, on va rire aussi. Vous riez au jeu de mots de Colliver. Ah, des rires. Prends ça, papa. Ah! Salon. Ah, voilà, parfait. On peut se casser. Clément, c'est parié. C'est 12 PO, oh putain. Ah. Salut. On se rappelle, hein. Oh, une canne à pêche. C'est une canne à pêche plantée dans le sol. Remontez la ligne. Oui, vas-y. Les photos de ta monstre bizarre est attachée au bout. Appelez-moi, voilà mon numéro. Essayez de ne pas appeler. Ouais. Oui, on remet la ligne en l'eau, voilà. Parfait. Donc comme je disais à propos d'Andine, du Dean. Sans ! Oh mon dieu, serait-ce un humé ? En fait, je crois que c'est un caillou. Oh ! Hey! Et qu'est-ce qui se trouve juste devant ce caillou? Oh mon dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui. Oh mon dieu! Sans, j'ai enfin réussi! Une dîne va! Je vais! Je serai tellement populaire! 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 Humain! Tu n'iras pas au-delà de cette zone! Car le grand papyrus va mettre fin à ton périple! Ensuite, je te capturerai, on t'emmènera à la capitale, et ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche, mais seulement si tu l'oses. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, Lumioche, je vais garder une orbite ouverte pour toi. Ok, la vanne du caillou aussi était drôle. Bonsoir. Calotte glacée arrive en spa maintenant. D'accord. Quel glacé est-ce? Je ne préférais s'appeler chapeau glacé. Où est ton chapeau? Ah 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 ah! Aïe 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 aïe. Il neige et pellicule. Complimenté? C'est vrai qu'il y a le glacé que son chapeau est trop top. Eh ben oui! C'était pas évident! Ah, 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 d'accord, ok. Ah, ça redescend. Ah, d'accord. Ah, ça sent les vêtements neufs. Voler, ignorer. Ah, je t'ignore. Non, je te complimente encore. Ça va qu'à gasser que son chapeau est trop top. Ah, non, d'accord, c'est la même. D'accord. Bah, on va l'ignorer alors. Vous arrivez à arracher votre cœur du chapeau de quel gasser. Ça a l'air d'énerver. Allô, mon chapeau est là-haut, hein. Aïe. Aïe. Oh merde. D'accord. Eh bien, truc là, c'est pour ta crasse. Aïe. Oh, j'ai crevé ici quand...
Oh, j'ai croyé que c'était comme un caca. J'ai crevé que caca! Merde! Vas-y, incarne ta détermination! Mais on a compris, on a compris, on a compris. Je suis mort comme une merde, tout va bien. Je sais pas comment les battre ceux-là. Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton. Vous observez le poste de garde bien fort construit! Mais qui pourrait bien avoir érigé, m'en demandez-vous? Je sais pas que c'est un garde royal très célèbre! Note, un garde royal passe encore très célèbre. LOL! D'accord, donc je sais pas du tout comment faire celui-là. Ouais. Tu le veux? Dommage! Ok. On va essayer de complimenter encore, hein, tout d'une fois. Ben oui, c'était pas évidé. Ça a pas l'air de marcher, hein, je sais pas. Hein. Peut-être lui voler. Peut-être voler le chapeau de cale glacée. Mais il est pas assez affaibli. Allez, police du style. Oh, je sais pas. Je me casse. Salut, salut. Ben geste. Super. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose a bougé? Ou c'est mon imagination? Je peux pas voir les choses immobiles. Est-ce que quelque chose a vraiment bougé? Par exemple, un humain? Je m'assurerai qu'il ne bouge plus jamais. Comment Doc bloque le passage? Comment ça? Comment Dog attaque 13 et 27. Les mouvements le rendent fou. Aime notamment les écureuils. Écureuils. Ah oui! Ah si je bouge pas, il me voit pas! Oh, c'est trop bien ce jeu! Pardon. Mais si je le caresse, il va me voir du coup. Vous caressez comme mon dog. Quoi? On va caresser? Comment on a été caressé? On peut se barrer. On peut se barrer. Victoire, vous avez 30 PO. Quelque chose m'a caressé? Quelque chose d'immobile? Je vais avoir besoin d'une friandise pour mon chien là. Quelqu'un a fumé des friandises pour chien. Ah, ça fume des friandises? Tu vois bien. Ah. Mais j'ai caressé, j'ai caressé chien, ça va, j'ai le droit. Oh. Hey, j'ai quelque chose important à te dire. Essaie de t'en souvenir. Mon frère connaît une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, reste immobile et tout ira bien. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop. Dans le panneau stop, tu t'arrêtes, non? Les stops sont rouges, imagine juste qu'un stop bleu à la place. C'est simple, non? En combat, pense à des panneaux stop bleus. Oui, comme ce qu'on vient de faire en fait, ça. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace. Est, ville de couve-neige. Et de la glace. Ah. Un mini-chien-chien! Un mini-chien-chien! Caresser, 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 caresser! Oh, c'est trop bien! Il y a toujours. Ça. Lèvres ripées et son. Ah, d'accord, c'est lèvres ripées et son. Bichon clié avec lui. Putain, ok. Nerf, nerf! Oh, il est trop mignon! Oh, c'est missile! Oh, c'est trop missile! À peine avez-vous commencé à s'agiter? Le mini waf! Ah! 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 Un palachien! Mais c'est trop ça!
Mais oui, je t'ai pas de chien chien. Oui, j'étais tout beau. Caresse-le beaucoup, j'avoue. Ah, encore. Un bonhomme de neige. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu la possibilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici? Ouais, si tu veux. Ah si, bonne chance. On récupère un morceau de bonhomme de neige. C'est trop bien. Tu es trop paresseux. Tu as passé la nuit à faire la sieste. Je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Oh oh, voilà l'humain. Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi avons mis au point quelques casse-crânes. Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant, car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique. Au moment de contact avec les murs de ce labyrinthe, cet ogre t'administra une vigoureuse décharge. Ça a l'air fun, car figure-toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. Ok, tu peux y aller maintenant. Sainte, qu'est-ce que tu as encore fait? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'orbe. Oh, très bien alors. Ok. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok, essaye maintenant. Incroyable! Quelle savonnette sournoise! Tu l'as résolu si facilement! Trop facilement! Cependant, le prochain casse-crâne... Ah, casse-tête, casse-crâne... Putain, je viens de comprendre, putain... Ne sera pas aussi facile! Il a été conçu par mon frère, Sense! Il t'en fera perdre la tête! Ce qui m'est arrivé, en tout cas! Ok. Hey, merci, mon frère! Bien s'amuser! Ah, mais sinon... T'as vu son costume bizarre? On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelques temps. Il n'a pas quitté depuis. Il appelle son armure de combat. La vache! Tu trouveras pas... Tu trouves pas que mon frère déchire? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas vraiment pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant ton duel pour une sucrerie glacée. Pas tellement. Oh! De la clientèle! Eh bonjour! Une glace gentille, ça vous intéresse? Ah, j'ai son APO. C'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Allez, vas-y. Et voilà. Passe une super journée. Sautez la champi qui est gentille. D'accord, super. Ah, d'accord, c'était pas... Oh, trop cool. Oh, je trouve que ça va servir, je le prends. Ah, salut Sense. Comment ça va? Moi aussi j'ai envie de me lancer dans le puzzle de friandises. De neige grillée, 5 PO ça tente. Non merci. T'as raison. J'aurais faire payer bien plus que ça. Moi aussi je vais l'acheter. De la neige grillée à 5 PO ça tente. Je dis 5 PO. Je veux dire 50 PO. Allez. Vraiment? Et pour 5000 PO? 5000 PO? C'est ma dernière offre, achetez! Hein? Tu n'as pas d'argent? Hé! Hey, c'est pas grave! J'ai pas de la neige, j'ai pas de neige! Ok. Ok! Ok, j'apprécie forcément ce jeu, d'accord, ok. Je comprends son petit succès. Il n'y a pas de soucis. Il est drôle et drôle. Dans le trou! Ah! Non! Non! Oh, c'est pas facile, hein. Ah, mais la neige s'épuise quand on fait ça. Oh. Non. Petite neige, non. Non, va dans l'autre trou. Arrête. Ah bah, j'ai pu. Le petit succès. Léger succès, hein. Plus un succès d'estime que de réelles ventes après tout, hein.
peu de gens ont entendu parler de ce jeu après tout, hein. C'est pas l'une des meilleures ventes de 2016, hein, pas du tout, hein. J'ai rien gagné. VR, vos soins. Avec la balle, vous emmenez 16 victoires. Vous avez un P en récompense. Super. Bah, c'est un 5 millième d'une glace. Enfin, d'une neige brûlée. Ah, il y a des chiens partout. Échelle de danger olfactif. Odeur de neige. Bonhomme de neige, niveau blanc. Peut passer niveau jaune. Hein? Odeur de neige. Bonhomme de neige, niveau blanc. Passer niveau jaune. Odeur suspecte chiot, niveau bleu. Odeur de roulade. Odeur étrange, humain niveau vert, détruit à tout prix. À elle. À lui. Ah ah. Tiens, une boule de neige. En réalité, c'est un décagote de neige. Oh lol, c'est lol. Humain, j'espère que tu es préparé pour... Sense, où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chose d'échapper à celui-là. Sense, n'allez pas jeter un œil! Oups. Je savais que j'aurais plutôt dû aiser des mots croisés ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dises ça. Et pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Hein? Mec, t'es sérieux? Ce mélange de mots super facile, c'est pour les bébés squelettes, ça. J'y crois pas. Humain, résous cette dispute. Qui est le plus dur, mot mêlé ou mot croisé? Oh là là, on fait un stropole pour ça. Ah, je bois un coup, excusez-moi, ma gorge en peut plus. Bébé, les bébés, les bébés. Ouais, je veux dire que les. T'as les mots croisés, les mots mêlés, ouais, les mots mêlés c'est quand même plus dur quand même, hein, sans déconner. Les mots croisés à la rigueur, pourquoi pas, mais les mots mêlés, faut. Non, c'est chiant les mots mêlés, je trouve ça chiant. Stropole, on était sûr de celle-là. Non, pas le Stropole. Mots mêlés. Ah oui, les humains doivent être sacrément intelligents. Se trouve les mots mêlés, c'est difficile. Nyeh. Merci d'avoir dit les mots mêlés pour calmer mon frangin. Hier, il s'est acharné à essayer de résoudre l'horoscope. Du coup, c'était quoi ça? Wouah! Mots mêlés, les petits monstres! Hé, les petits monstres, vous pouvez m'aider à retrouver les mots? Le Guillaume inverse des verres! Ok, bah j'ai bien fait de pas faire ça, hein. Ah, savoir que la souris pourrait un jour traverser ce moyen de réchauffer spaghetti, rempli de détermination. Ça s'appelle spaghetti gelé. Tellement gelé qu'il est collé à la table. Squeak, squeak. Ah, c'est quoi? C'est un mot de papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Tu ne doutes pas que les spaghettis sont en fait un piège créé pour t'appâter. Vois-tu, toute mon attention sera tellement concentrée sur ta dégustation que tu ne te rendras pas compte que tu n'avances pas. Une farce réussie pour le plus grand papyrus. Papyrus. Attention, mariage de chien. Oh, mariage de chien. Des chiens chiens, des mariages de chiens chiens. Ah, oh, c'est pas du chien. Quel glacé apparaît? Ah, et Jerry aussi est venu. Alors, je sais pas comment on combat le premier, donc ça va. Et Jerry, t'es quoi? Tout le monde connaît Jerry, c'est la terre qui dure 2 secondes de plus. Et bam! Soupir. Ah. Ça sent Jerry. Abandonné. Les autres monstres laissent tomber Jerry après des quêtes de tournée. J'adore mon chapeau, capiche? Vous
malheureusement faites la disparition de Jerry. Oh pauvre Jerry, oh là. Je sais pas quoi faire avec lui moi en fait hein. Allô, mon chapeau est là-haut, hein. Ah. Je vois que ça l'achève. Bah oui, c'était pas évident. Écoute, Jerry est toujours là, toi bien. Le retour de Jerry. Ah non, j'ai pas vu en fait, du coup. Ah, c'est ça, faut faire ça. Clément, c'est parier. Ce blanc. De retourner. Abandonner. Faut les autres. Faut les autres tourner. Victoire. Ah, c'est beau ce jeu. C'est quoi ce piège? Dégagez tout là, ça fait chier. Ouais, d'accord, ok. Jerry aussi est venu. Ah. Ah non! Ah! Ça, c'était quoi les attaques? J'ai pas compris. Ça sent Jerry. Ok, moi aussi je peux t'ignorer, hein. Jerry prend un tombeau qui a envie d'aller aux toilettes. Mais genre, qu'est-ce que t'essayes de faire, Jerry? Pour attaquer, faut se... D'accord, ok. Clique. Tiens, chien. C'est quoi cette odeur? D'où vient-elle? Cette odeur, je la sens vraiment pas. Voilà l'odeur étrange. Ça donne envie d'éliminer des trucs. Je vais t'éliminer, toi. Des chiens vous assaillent. Mais j'ai Monsieur Bonhomme de Neige. Ah d'accord. Ah oui non, c'est pas ça. C'est grand peu. Ah quoi? Ah. Ah. Ah oh, c'est compliqué hein. Ah oh, c'est compliqué hein. Mario de Kidipel. Tout se fait au flair chez lui. Ah, c'est compliqué, hein. Ah! Ah! Aïe. Roulez. Vous roulez dans la neige et la boue. Vous sautez comme un chiot, mais bizarre. C'est vraiment une queue. Oh, les chiens, les chiens! Les chiens qui s'envoient de l'amour! Et que je me prends les cœurs de merde! Que les chiens devraient vous sortir à nouveau.
Ah oui, il est bleu, oui, d'accord, oui. Le chien vous renifle à nouveau. Après avoir roulé dans la neige et la boue, votre odeur leur convient. Ça sent le... Mais en fait, t'es un petit chiot. Je pense que vous devez être un chiot perdu. Caressé. Caressé Canis. Quoi, caressé par un chiot? Eh, hey, mais c'est pas tout seul, hein. Oh, il est chien, il est chien. Ah, c'est compliqué, hein. Tu caresses aussi. Tu caresses qu'elle est belle. Quoi, un chien qui reste de chien. J'y bouge pas. Ah, parfait. Oh, j'ai tellement bien fait ce combat. 40 PO. Non, je pensais tout éviter en fait, et pas forcément éviter que les bleus, bon bref. Un chien qui reste le chien. À nous, on s'offre à nous. Et merci, chien chiot étrange. Je pourrais sauvegarder parce que j'ai pris quand même sacré beigne, hein. Transformez tous les X en O. Appuyez sur le bouton. Ah d'accord. Quoi ? Comment as-tu été mon piège ? Et le plus important, il en reste pour moi ? Qu'allez-vous dire, papier, c'est pour les spaghetti ? Pas tout cher. Rémi ? Waouh ! Tu es passé outre les saveurs de mes pâtes de maison ? Juste pour pouvoir partager avec moi ? N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Il est encore là, lui, pourquoi? Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois, je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Humain, comment dire, comme tu prenais ton temps pour arriver, je vais profiter pour améliorer mon casse-crâne en modelant la neige d'après la forme de mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sens à l'horizon. Je sens que tu veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème. Pour qu'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter le casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Attends. Faut que j'arrive à sortir tranquillement d'ici. Je peux sortir par le haut aussi. Je peux même entrer par le haut en fait. Attends. Ah, on peut pas refaire une deuxième fois? Ah, d'accord. Ça change pas mal le truc. Du coup, je pensais que je pouvais revenir après. Il y a juste le truc à droite qui m'emmerde. Juste ça, les trucs à droite, mais en même temps, c'est fait exprès. Comment passer d'un côté mais sans passer de l'autre? Ah non, d'accord. Que suis-je con? Oui, je suis con. Ça c'est fait, ok.
quel abruti, mais c'est pas vrai. Surmêlez les pinceaux, ça va, qu'avez-vous? Voilà. Wow, tu as réussi. Et tout ça sans mon aide. Incroyable. Tu impressionnes. Tu dois aimer les cascades en tant que moi. Soit, je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange vu que j'adore flémarder. Parfait, Sense, parfait. Voilà. Hey! Et voilà l'humain! Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys. Tu vois ces cases? Une fois le territoire activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables, impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées, elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sauter une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases rouges sont parfumées à l'orange, elles te feront sentir bon. Et les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie, mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si tu as une case bleue, si tu es près d'une case jaune, l'eau va tenter de recruter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron, ce qui déplaît aux piranhas. Donc le bleu et le violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu veux. Alors, tu as tout compris? J'ai compris l'explication. Oh putain. Oh putain. Alors, les cases roses, ok. Les cases bleues, c'est de l'eau. Les cases... les cases violettes, c'est le truc glissant. J'ai tout oublié. Répète-moi. Ok, je vais donc le répéter. Les cases rouges sont infranchissables. Les cases jaunes sont électrifiées et dangereuses. Les cases bleues sont te font combattre un monstre. Mais il n'a pas dit la même chose. Il n'a pas dit la même chose. Il n'a pas dit la même chose. C'est les cases bleues qui s'étaient remplies d'eau, c'était pas les vertes. Les cases rouges sentent l'orange, ça d'accord. Tu marches dessus et... Oh là, non Un petit bâtard. Les cases marron, mais il n'y avait pas de cases marron tout à l'heure. Attends, il n'y a pas de cases marron. Les cases violettes sentent le citron, c'est pas ça, putain. Pourquoi c'est pas les gens qui sentent le citronné Minute, j'ai inversé le bleu et le vert. Les cases bleues sont ceux qui sont remplis d'eau et des roses. Je m'en souviens plus. Un instant, celle-là ne font rien. Ok, c'est mieux maintenant. Putain, l'enculé. Encore moins, et ok, c'est bon. Grandiose, dis-moi comment ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur apprécié, on y verra apparaître une casse-crâne que j'ai jamais vu auparavant. Même moi, je connais pas la solution. Prépare-toi. C'était plutôt pas mal pour mon frère. Ah, depuis qu'il a commencé ce cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à Street, d'ici à la semaine prochaine, ça sera même comestible. Ah putain. Un chien, chien! Où tu as mon chien, chien, toi? Le chien fixe regard vide. J'attends que ça devienne de l'art. Un chien, chien! Voilà, c'est quoi ça? Ouais,
du coup, je veux savoir, du coup, ouais, carrément. Je m'y attendais tellement pas, mais tellement pas. Attention les chiens, c'est pas caresser les chiens. Oui, je caresse les chiens. Ce chien se voit comme un artiste, mais n'a jamais d'inspiration. Son cerveau gros comme une croquette n'est pas sûrement pas. C'est un chien, plutôt on dirait une vache. Ah, par contre, ça c'est chiant, ça, ce truc-là. C'est chiant, hein. Ça c'est chiant, ce truc-là. Hein. Là, je tombe. Ok. C'est un tas de neige avec le mot sang écrit dessus au feutre rouge. Ça peut virer de neige, d'accord. Faut pas que j'aille au fond, quoi. Ah, regarde, faut que je tombe au fond. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Facile. Pouais, 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 pelle, 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 pouais. Ah, j'ai votre truc de neige sur moi. C'est rigolo. Quoi de neuf? Y a un truc là. Oh, Frey nous fait face. Frein, des jeunes l'ont décoré pour faire une blague. Viens-moi ça! Ah, d'accord, ok. Oh, c'est chaud! Vous enlevez un petit chien. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Parce qu'elle est moche, hein, le truc, hein. Un point sauvol. Ah, cool. 20 PO. Ça fait une tête. Bah ouais, mais t'étais là-bas. Et maintenant t'es là. Je comprends pas. T'es pas là tout de suite, hein. Avec tes trucs, ça me dis pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, hein. On verra plus tard, hein. Salut, hein. C'est un tas de neige, sans déconner. Waf. Quelle petite niche. Un petit chien magnan. Je suis sûr qu'il va être immonde en plus, ce chien. Oh, le chien. Oh, qu'il est magnan. Ça va être horrible. Oh, waf waf. Oh, waf waf. C'est le maxi chien, cette musique. Il est tellement agité qu'il confond jouer et combattre. Waf waf. Ah. Ah.
Bah jouer. Il n'est pas assez agité pour jouer avec vous. Ah non, il est pas agité. Oh, c'est pourri, c'est de la merde. Ok. Tout ira bien. Un peu d'Asie, et garde la détermination. Ah, je commence là. Ah. Ok. J'ai fait de la merde. Ah mais on peut se déplacer en diagonale. C'est quoi ces conneries? Le retour de la vengeance. On a compris. Le chien chien, le chien chien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça dans la caverne glacée, c'est exactement ça. À l'époque, j'étais resté bloqué dans cette caverne, hein. C'est chiant. Pouette, 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 pouette. Maxi chien, donc, attiré. Vous appelez le maxi chien. Il s'élance vers vous, le recouvrant de bas au passage. LOL. C'est drôle cette barre. Il veut de l'affection, en caresse. Se roule dans le bourg sur au jeu alors que vous le caressez. C'est si confortable et qui s'endort. Rompchi, rompchi. Vous allez se réveiller. Il est tout foufou. Waf waf. Cette musique, quoi, elle a aucun sens, quoi. On va jouer. On va essayer de boule de neige pour que les chiens aillent la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé. Il repose ça contre vous. Oh, je suis trop mignon. Elle est trop mignon, le chien chien. Il veut plein de câlins. Tiens. D'accord, cassez le chien chien. Et ça s'affale tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Ah, d'accord. Oh. Taux de caresse à 40%. C'est taux de caresse, c'est ça? Toi, je sais plus. Ouais, taux de caresse, c'est ça. Caresse décisive effectuée. Taux de caresse à 100%. Les chiens s'affalent par terre et les 4 phares en l'air. 4 phares en l'air. Mais merde! Ouais, ces gens sont très satisfaits. Ah! Et victoire! Vous êtes 40 PO! Mon cul le mignon, c'est un chien. Mon cul tout mignon! Il a le cul à l'air maintenant. Tout va bien. Ah! Alors, que c'était pas des chats, parce que les chats, je les aurais tués. Hein. Humain, voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Admire la symphonie de la mortelle terreur. Ok, c'est un peu trop, monsieur. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée, entamons une danse mortelle. Chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Les chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois la topo? Car figure-toi que je suis sur le point de l'activer. Oh là, les chiens chiens! Eh ben, il y a un chien chien à droite! J'avais pas vu! Mec, et qu'est-ce que t'attends? Moi? Attendre? Attendre quoi? Je te dis que je suis le point sur le point activé! Ça n'a pas l'air de très activé. Eh ben, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain! Ouais! On peut pas utiliser ça! Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crates sont justes et mes pièces toujours préparées d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style? Allez, du balai. Mais le chien chien. Ouf.
Pourquoi ce regard? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nye, 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 nye. Je sais pas ce que va faire mon frère ensuite. Si j'étais toi, je m'assurerais d'être au point sur les actes bleus. Lol. Der. Bienvenue à Couvneige. Même ça, c'est traduit, c'est beau. Ah, la sauvegarde. Ah, c'est beau la sauvegarde. La vue d'une ville si chaleureuse vous emplit de détermination. Putain. Détermination, quoi, putain. Fais chier ce mot. Oui, utilise la boîte. Ah, j'ai dit Gondmaro. C'est quoi les Gondmaro? Vous équipez des Gondmaro? D'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. Alors, boutique. Salut toi! Tu disais quelque chose? Gondmaro, bandana viril. Et des ados dessus. Busquimo. Lapin à la cannelle. Lol. Je préfère le caramel. Hein. si on a plus de défense, ouais, je veux bien. Et il y a deux bouchers. Oui. Et ça me suffira, merci. Ah, je peux vendre. Hein? Vendre quelque chose? Tu te crois dans une brocante? Je ne sais pas comment ça marche, d'où tu viens, mais... Si je me mettais à dépenser de l'argent pour des brindilles... Pour les brindilles que les vieux... ou des vieux pansements, je ferais faillite en une semaine. Ah, 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 ah. Lol. Dire bonjour. Bonjour. Salut, bienvenue à Couvneige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale? Tu ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens? Souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gapas frileux ont décidé qu'ils aimeraient le climat et sont restés ici. Oh, on ne pense même pas essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années. Donc c'était pas un fantôme ou je ne sais quoi, oublie. Lol, j'en viens, lol. Et vu qu'on utilise au cours, on se sent un peu à l'étroit. Mais au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non? Du moment qu'on garde espoir, on peut se serrer les dents et faire face aux problèmes. Encore et encore. C'est la vie, je me trompe. Que faire ici? Tu veux savoir quoi faire à Couvneige? On a de quoi manger des grilles de billes. De quoi lire la bibliothèque. Si tu es fatigué, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ma sœur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder les squelettes faire un cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis. Pas que je m'en plaigne. Retour, salut. Et à plus. Non, reviens quand tu veux. Oui, du coup, j'ai acheté des trucs. Du bandana viril. Bonsoir. C'est quoi toi? Maman, elle dit que te reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum? Venez à Couvgit, le meilleur hôtel de Couvneige. Une coûte 80 PO. Vas-y. Voici la clé de ta chambre. Fais comme chez toi. Assez étrange. Zodiac, t'as bien dormi? Ce qui est assez incroyable,
Vu que tu n'as pas passé que... Vu que tu n'as pas passé que 2 billets dans la chambre, je te rends ton argent. Tu peux payer si tu décides de rester cette nuit. Du coup, niveau peluche, comment? 30 sur 20. Ok. Oui. Du coup, le bâton, je m'en fous. Le couteau, je m'en fous. Ça, je prends. Ça, je pense que je m'en fous. Et biscuit, c'est bon. Ok. Des lapinous, oh c'est trop bien. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Essayez donc les tunnels sous-neigés. Ils ont été efficacement disposés. Cette dame juste là, quelque chose de bizarre avec elle. Il est pas mignon mon petit cannelle. Les lapins sont tellement mignons, hi 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 hi. Non, c'est pas du tout flippant, non. Les sergosses ont embêté un monstre ici en décorant ses camps semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sur un arbre décoré. C'est un peu comme Noël, mais pas comme chez vous, quoi. Voilà. Et yo, t'es un enfant toi aussi, hein. Je savais parce que t'as un pull rayé. D'accord, donc les pulls rayés est égal enfant. Ok, super. Cette ville n'a pas de mère. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à la dame poisson. Et c'est ça la politique. Ok. Oh, y a tout le monde ici. Oh, y'a les chiens. Bonjour toi. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois, du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi des épées. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. D'accord. D'accord, super. Je parle à l'un, l'autre répond, toi bien. Ce gros chien là. D'accord. Je veux. Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait qu'il est bien... Il est en train de perdre. Aujourd'hui, je sors pas pêcher. Mais je compte bien pécho. L'homme le pilier de bar que je suis se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu t'es dit? Lol. On peut faire un trio avec lui de lourd. C'est Kemo fait partie de la garde royale et une troupe d'élite menée par une dine ou un dine, je ne sais pas. Elle est rustre, bruyante et brutale avec quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Et Kiki te servirait bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. Ah, forcément. La capitale devient surpeuplée et apparemment des gens vont commencer à venir ici. Je veux pas que notre culture locale disparaisse. Mais j'ai définitivement envie de voir ces citadins passer du bitume à la neige et glisser. C'est quoi cette plante? Elle est horrible. Ouais, bah, la nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Du genre, elle périme des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe au travers de tout ton corps. C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. Partout où je vais, c'est toujours les mêmes gens, le même menu. Pitié, j'ai du neuf moi. Pourquoi que t'ailles? Et des mecs qui font les yeux dans les feux. Une daine. D'accord, une daine. Et tout le monde rit et raconte des blagues pour oublier nos problèmes. À la monotonie, l'entassement, le manque de lumière, de soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. Lol. Merci, Perlie. Cimer. On sait tous que l'outre-monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça? On peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? C'est quoi ça? Putain, c'est moi, j'irai partout, j'irai parler à tout le monde. Je pense que ça fait chier. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. C'est fermé. Et du coup, ça retourne là, d'accord. Oui,
C'est fermé de l'intérieur. Ok. Moi je bois un coup si ça vous dérange pas. Humain! Mais moi je te parlais de sentiments complexes. Des sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes, l'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui, le désir d'avoir une personne cool et intelligente se trouve cool. Tes sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je vais boire un coup, merci. Je n'ai pas demandé à ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais les craintes, ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non, 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 ça va pas du tout. Je peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà qui est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Non, non. Papyrus bloque le passage. Bon, Papyrus. On peut le flirter avec lui. Papyrus. Il aime bien faire ni 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 super. Ok. C'est pas trop compliqué. Et c'est fort d'avoir l'air cool. Flirter? Comment? Du flirt? Ah lol, on m'appelle. Lol. Écoutez, YouTube, ouais, ça fait une heure. On se revient dans quelques instants. Des poutous, des bisous. Abonne-toi sur YouTube et à bientôt. Voilà.